chef, demain tu vas bien manger. Ça tombe bien, j'ai grand faim, j'ai grand faim. Si tu te laisses faire, au nom, ça va pas le faire. Je veux que tu perdes, mais dans de bonnes conditions. Est-ce que tu comprends? Eh, j'ai dit devant des 2000 personnes, je peux le jurer, Loni ne va pas gagner. Loni ne va pas gagner. C'est beau ou pas? Regardez-moi tous dans les yeux, Loni ne gagnera pas. Regarde son rire nerveux. Loni, demain il va être encore plus nerveux son rire, t'inquiète même pas. Ah, ta carrière là, toi ta petite carrière de youtubeur, eh, tu vas éteindre ta chaîne YouTube à cause de lui. C'est beau ou pas? C'est beau ou pas? Tu vas supprimer ta chaîne YouTube à cause de lui. Chef, t'es mort. Chef, t'es mort. What a poor blow, cause we sitting courtside. You gon' need binoculars, 184th row. Money on the ground, I don't wanna leave any. I'm jumping over you clowns, call me Free Willy. Yeah, I like that, I feel like P. Diddy. This is my city, this is Free City. Bon les gars, ça y est, on y est, vous l'attendez. Ça fait 2 mois littéralement. Battle de rap freestyle 4. J'ai peur pour ma carrière. Je suis venu armé, hein. Mais à tout moment, je me prends une balle dans le casque direct. Une balle dans le ventre. Ah ouais, commence. Moi, je vais pas commencer. Coupez le montage, Non, c'est bon. Gardez. Non, rigole. Comme ça, quand mes punchlines elles vont sortir, j'espère que tu vas rigoler. Non, je vais rigoler, wesh. Ouais, parce qu'on va rappeler ce qui s'est passé au Battle 3. Totosh a boudé toute la soirée. Il est rentré chez lui. C'était pour la caméra, c'était fait exprès. C'était jeu d'acteur. Ah ouais, c'est un très bon acteur, c'est bizarre. Oh non, mais tu vois pas, TikTok, ça m'a éduqué, chef. On va faire les petites présentations, mais vous les connaissez déjà. On va commencer par Moby, grand vainqueur du Battle de Rap Freestyle 3. Alors, Moby, aka Voïkov, champion titre du Battle de Freestyle. Je remets ma ceinture. Oh, le grand vainqueur du Battle de Freestyle 3. On va poser ça ici, t'inquiète. Ensuite, nous avons Chess. Aujourd'hui, il est venu habillé en Mickey, on n'a pas compris. La coupe, tout, il a toqué. J'ai dit, mais gros, tu cherches à te faire fumer. Eh, on se présente plus, on était là au premier, au deuxième, au troisième, voilà. Il va perdre au quatrième aussi. Oh non. Attends, rappelle-moi, combien t'en as gagné, toi? Wesh. Attends. Nous avons Totosh. Il a dépassé le million sur TikTok, à féliciter. T'es prêt ou pas? Je suis prêt, on est là, on va essayer de gagner et tout. Et puis tu connais, bon enfant, tout ça. Ensuite, nous avons Evan. Yeah. On peut littéralement dire que ça a été le MVP du Battle Freestyle 3. Ça a été unanime par du coup le public. Ouais, Moby, il m'a volé la victoire là, espèce de voleur. Là. Franchement, ouais, je vais voler la victoire et donc. MDR. Faut rappeler quand même qu'il a lancé une tendance sur la sœur à Loni. Chante en vif. Vas-y, chante Loni. Si elle m'aime pas, je m'en coupe ta sœur. Là, on va le coup de fou. Ouais. Oui, c'était tout à l'heure. Allez, s'il te plaît. Voir sa sœur. Ensuite, nous avons Delio. Dans le jury. Delio, rappeuse montante, voilà, présente-toi. Moi c'est Delio, je viens du 900 et ça me fait plaisir d'être là. Du coup, il y a des projets qui arrivent ou quoi? Bien sûr, le meilleur moyen de me suivre, c'est de me suivre sur mon Instagram, delio.95 et sur tous mes autres réseaux sociaux. On va noter. On attend les prochains sons, on attend les projets. T'inquiète, on est à l'affût. Ensuite, on a Myriam Manhattan, s'il vous plaît. Animatrice chez MTV. Ça y est, le palmarès il est là, elle a fait rap jeu, elle a tout fait. Et enchantée, je m'appelle Myriam, je suis journaliste audiovisuelle, présentatrice, j'ai aussi ma chaîne YouTube que j'ai un peu délaissée. Ah, j'ai essayé de revenir et puis voilà, dans l'espoir de produire une future émission avec des rappeurs et avec de la bouffe, voilà. Moi je viens alors. Je suis rappeur désormais. Et t'en as perdu de la bouffe. Hein? Ouais, ça fait 2 mois je mange rien à cause de vous, bande de bâtards. Vous m'aidez. Ensuite, voilà, alors là, les gars, je dois, avant de le présenter, s'il vous plaît, je tiens à dire quelque chose. Non, mais il sait pourquoi il rigole. Je suis littéralement fan de lui depuis 2012. Ouais, c'est bizarre, tu m'as déjà présenté. Pourquoi tu. J'espère que tu vas être aussi loquace quand je t'aurai terminé, espèce de bâtard. Il a mis des chaussettes Adidas avec des Air Force. Mais c'est fait exprès, c'est pour. Ouais, c'est pour les commentaires, genre. Il a participé à Rap Contenders, en mon humble avis, parce que lui, il est pas forcément d'accord avec ça. Il a mon humble avis. Il a terminé Dinos au Rap Contenders. Il est lavé. Pour moi, c'est le promoteur littéralement des vannes dans Rap Contenders. Je tiens à ce que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour la weed. Stunner en disant inscris-moi gros jeu de mort, mais pour venir t'as dit à ta mère maman je vais jouer dehors.
Hey, je suis en train de me faire un ennemi. Dino, c'est en train de rire, il fait oh, lui, on va faire sauter sa chaîne. Comme il a dit, moi c'est la weed. J'ai participé au RC. À côté de ça, je fais du son sur ma chaîne YouTube et notamment des vlogs. Ma chaîne YouTube, c'est Witner. Tout sera en description, les gars. Bah, on n'a pas fini les présentations, on va continuer. Derrière, on a les majestueux, les plus beaux, les meilleurs des Lossa. Les Lossa de Squad, s'il vous plaît. Pour retourner. Ah ouais. Ils sont venus pour assister au massacre. Vous avez sorti un clip là, littéralement au moment où on parle. Vous avez sorti un clip, c'est du temps. Du coup, je vous laisse faire votre petite promo, les gars. Du temps, disponible partout. Spotify, Instagram, TikTok, sur la lune partout. Ah, on est dedans en plus, donc voilà, ouais, c'est parfait. Hein. En plus, c'est pas dedans, moi. C'est du mal, bébé, faut pas laisser le temps nous séparer. On a une dernière personne à présenter. Je respecte franchement son travail. Franchement, je kiffe ce qu'il fait. Il a fait des prods pour The, pour d'autres rappeurs, je vais pas tous les citer. Il a fait les prods d'Evan. C'est lui qui a fait tes trois prods. Il est là aujourd'hui. Alpras, s'il vous plaît. Et oui. Ça rend le truc encore plus légitime de savoir qu'il y a des beatmakers qui s'y intéressent. Et c'est pour ça, vraiment, j'ai tenu à ce qu'ils viennent. Le meilleur pour la fin, on ne le présente plus, c'est sa chaîne. Il se fait laver sur sa chaîne aussi, c'est pas grave. Ça, c'est un détail. L'homme qu'on ne présente plus, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, Loni, devant des GamePro. Aujourd'hui, les gars, vous allez en avoir pour votre argent. Il y aura au total 20 freestyles. On va commencer le premier freestyle, du coup, qui est la bataille de la chance. On va vous expliquer ça après. Et il y a 3 freestyles sur lesquels, comme d'habitude, il y aura des mots imposés. On va pas discuter plus longtemps, on va pas tergiverser. On va commencer tout de suite par la bataille. On va direct commencer par la bataille de la chance. C'est parti. Let's go. La bataille de la chance. En quoi ça consiste? Nous avons une demi-heure pour écrire un petit freestyle d'introduction qui octroie à celui qui gagne le pouvoir de désigner à la prochaine manche sa position dans le battle et la position de quelqu'un d'autre. Tout est une question de stratégie parce que bien évidemment ta position dans le battle va jouer d'une certaine manière. Ça y est, nous avons terminé les 30 minutes. Moi je vous dis, j'ai été inspiré. Hein. Je vous montre ma feuille. J'ai été inspiré. C'est grave, je jure, c'est grave ce que t'as fait. Ouais. J'ai été très inspiré. Ouais. Tu sais, c'est monte ton texte en vif, à la caméra en vif. Ouais, monte ton texte, je fais. Genre. Ah ouais. Non, ah ouais, c'est une poésie, ouais. Chasse, il a fait une poésie de CE2, ou non? Je te jure. Donc, du coup, on commence par qui là? Papier, calme, ciseaux, tous ensemble. Bon, on va pas faire tous ensemble, c'est bon. Non, mais du coup, c'est celui qui monte ou. Je sais pas. C'est en haut ou en bas? Non, le premier qui sort, il commence. Mais il y a ah, ouais, je suis d'accord. Impossible, il y en a un qui sort, il y en a toujours deux, wesh. Ah là, des vidéos. Mais c'est. Mais on t'a dit en haut, mais j'avais deux règles! Au nom de Totoche! Au nom de Totoche! Qui commence? Au nom de Totoche qui commence! Ça a plus, ouais! C'est tout, on a le droit de rester au milieu, poteau! Ils sont baisés! Non, c'est que c'est pas ça! Ils commencent! Non, commence, chef! Allez, s'il te plaît, Totoche, envoie! Totoche! Je veux autant de chiffres que le poids de l'onné sur la balance. J'arrive dans le truc avec un chouille de nonchalance. 4 boules noires sur la tête de chaise. Parfois je me demande s'il prend l'espèce. Evan est avantagé. Entre ses yeux, tu peux que. J'ai oublié le flow, wesh. Mais c'est ça le bâtard, hein. Mais ton flow il est lourd dessus, gros. Putain, ouais, tu t'es amélioré, ça le chien. J'y arrive, wesh, attends. Evan est avantagé. Entre ses yeux, tu fous un potager. SO chef, c'est mon potager. Je suis dans le truc, je m'applique pas de vitesse. Oli Disha, elle est satisfaite. Pour son birthday, je lui fais sa fête. Quand je rentre chez moi, elle fait la tête. Mes boules sont balèzes comme le crâne à Moby. Même si à tempête, casquette est immobile. Je fais des pirouettes avec sœur de Loni. Ne vous prenez pas, je parle pas de gymnastique. Putain, vas-y, avec sa merde. Ah, j'ai oublié le flow, wesh. Ouais, je suis premier à passer. Oh non, je m'en fous. On applaudit. T'inquiète, Totoche, on sait que t'as pas gagné. Moi, je commence à bouder, hein. Commencez pas à rigoler, comme ça, wesh. Allez, Moby, ça toi. Comment c'est chiasse, ça va bien rigoler. Moby. Hein, je vais rapper Caliente sur une prod de La Panthère Rose. Je vais aller doucement, je vais pas trop la brusquer. Attends, en bas, il faut que je prenne une pause. Hein. Bande de cons, je vais me boucouiller. Vous êtes tout ça, je vais devoir vous laver. T'es massé bouche, je vais tirer par ses couettes. De toute façon, je savais qu'il me met bien la levrette. Avec la tête de vanne et la tête de crevette. T'as dit, je suis tout petit, il fait même pas de canette. Le Nitago demande ma sucette. Désolé, mais je vais lui cracher ma danette. Totoche, il se prend pour Mister V. Il a les mêmes contours, mais il a pas les mêmes. C'est bon. Il dit à sa belle-sœur, il va cracher sa danette sur sa belle-sœur, wesh. Quoi? Comment ça? Hein?
Wesh. Il a pas dit, ouais, la meuf à l'ONI, je crois que c'est. Non, wesh, qu'est-ce qu'il raconte? Fais voir ton texte, t'emballe. Hop. Fais voir ton. C'est un baiser. Bah, du coup, c'est à qui, mobile? Sachez. Eh, moi, c'est très rapide, j'ai 4 lignes. J'ai pas d'un. Mais t'as fait quoi pendant 30 minutes? Hein? T'inquiète. Chess. Chess. Ouais. Hey. Chess. T'es massé. Attends, attends. Oh. C'est qui? Après, faut commencer quoi? Pourquoi y'a maté? Chess, chess. On est du plus. On est douche. On a fait une raclette dans ta bouche ou quoi? Au bidet. Attends, attends. Repoule. Ah ouais, le nid, wesh. Nous, on est là, on fait des grands lives, on promet du genou. Ah ouais, c'est, oh, c'est toi, t'es juste lourd, merde. Tu casses les couilles, les gros. C'est chef. Hey, mais tu pues, même si tu te douches, on a fait une raclette dans ta bouche ou quoi? Au but, tu fais tout comme ton ref, mais les locks ça te va pas. J'ai même pas le DSR, mais je pilote ta meuf comme un Vespa. C'est tout? C'est tout? J'ai pas. Oh, ouais! Ouais! Ça va tailler mes yeux, du coup je les vois venir. C'est moi qui vais gagner, je vois l'avenir. Sa meuf qui passe à pique comme les cheveux de Bart. Elle fait comme mes yeux, mais ses jambes qu'elle écarte. Elle aime pas trop le lit, elle veut qu'on le fasse ailleurs. Elle veut un suçon comme Vampire. Je crois qu'elle me kiffe plus que toi d'ailleurs. Samuel retient, c'est moi le meilleur. On m'a dit 5 fruits légumes par jour. La meuf à Totoche, elle m'envoie ses melons. Et tu crois que je te raconte des salades, mais elle kiffe la carotte comme les lapins, dis donc. Que de la moquerie, je lâche des blocs, je les graille comme des acras. Putain, c'est trop cru. Chess a une victoire, faut que tu goûtes ta bouche sur le sac de fou. Ta bouche sur le sac de foot. Bon là c'est méchant, gagner j'ai méchance. Écoute comment je débite sur une prod méchante. Tout de sa poussie, une odeur alléchante. Tout devient possible, on dirait qu'elle m'enchante. C'est fini le coup de taser. On n'utilise plus les armes. J'ai juste à prendre ma jambe droite, une balayette et tout son charme. Copine à Samuel de bijoux sans cara. Après mon passage elle a plus de mascara. Mascara qu'elle me fait quand je la cascara. M'oublie sur le deux temps, ça te sortir de cascaraille. Elle est en plus 33 mais je l'appelle ma puce. Elle veut mon cœur, elle a pas trouvé l'astuce. J'arrive pas, wesh. Je crois que j'enchaîne à la fin. Tu veux enchaîner? Tu veux continuer? Ouais, juste pour vanner Samuel. J'en ai marre, il a gagné ce voleur là. Ouais, t'as dit quoi du coup? C'est fou ça, tu crois que c'est facile? Dans ce battle, c'est moi qui gère les ficelles. Elle m'attend chez elle avec son triste ficelle. Moby, ta copine, je t'assure, c'est une ficelle. Oh! Eh, Evan, oh bâtard! Non, c'est fort, ok. Attendez, il faut que je me remette le truc. Bien sûr, la Kanye West a lancé. Certified Lover Boy. Pour vous terminer à vos punchlines, il faut que je m'abaisse. Demande à Totoche de baisser sa grosse tête si t'as envie que la lumière s'abaisse. T'es microscopique, on dirait la reine des fourmis. Tu rentres pile poil dans ma sacoche. T'es vu tout à l'heure dans la chambre avec Moby. C'était Tori dont tu l'as bien galoche. Chaîne YouTube de Chess est mort par qui poster. Evan et Long, mais Totoche le poster. Devant tes airlines, tous les coiffeurs prospèrent. La chute du mur de ses mèches prospère. Avant de capter une film, il faut se plaire. Mais ta meuf ressemble grave à Jodie Foster. D'ailleurs, quand elle me pompe, elle aime faire de bruit de gorge. Je lui ai dit Foster. Evan, tes yeux on dirait tu possèdes le acquis de l'observation. Mais l'écart entre tes yeux n'est pas acquis. Y'a comme une contradiction. Quand je te regarde je suis tout de suite figé. On dirait une addiction. Tes pupilles on dirait des joysticks. Il est sponsorisé par PlayStation. Totoche a des lunettes, Evan y voit tout. Ces deux bigorneaux font la paire. Evan est tellement grand que Totoche n'a pas besoin de s'agenouiller pour lécher sa paire. Chef, on a dit pas les merdes, donc ça veut dire que je peux faire ton père. Ce gros là fait des incestes avec ta sœur. Elle a tellement mouillé qu'il a mis une impaire. Moby, petit. J'arrêtais pas de le goumer. Quelquefois, il voulait rendre les coumets. Il se défendait comme un macoumé. Oh, ma gueule! Oh, les chiens! Ouais! Ouais! Oh, les chiens! Je dis, ouais, les chiens! Wesh! Wesh! Ah, ouais, oui, oui. Il pose son territoire! Ah, ouais, non. J'ai pas fini mon texte. Bah, il faut que je reprenne du début là, non? Non, ça va aller, c'est bon, on peut tout faire. Moby, petit, j'arrêtais pas de le goumer. Quelquefois, il voulait rendre les coumets. Il se défendait comme un macoumé. Vincent McDoom, ses sourcils font le M de McDo. Il pense qu'il a le débit d'un plic. SO, Disha, gros cœur sur toi, mon baby. Mago fume toutes vos ladies. Elle les couche pendant des semaines comme Lazy. Moby n'a pas de go car son haleine est similaire à celle de Smoke Gogo. Il veut pas au Lalo Catelli, mais ses cheveux sont bordéliques. On dirait un pogo. On dirait un pogo. On dirait un pogo. On dirait un pogo.
Voilà, c'est fini. La chaîne YouTube de Lomi. Ah bon, moi je viens plus. Fallait dire. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu, vous m'avez manqué de respect. Et tous les gens qui vont retourner leur veste, j'ai tous les screens. Chef, c'est bon, c'est un modèle de. J'ai les screens. C'est le début, chef. Calme-toi, chef. C'est le début, frère. Prends pas ta. Wesh. Prends, vous êtes le seum. Allez, baisse tes gros yeux là. On a pas le seum, wesh. Oh non, t'as vu, il fait le malin de ouf. Non, ton gros ventre là, tu vois. Quel gros ventre. Du coup, là, on va laisser le jury délibérer. On se revoit après. Bon, du coup, le jury a délibéré. Je tiens juste à féliciter Evan et pour. Voilà, t'as débité de fou. Et toi, j'ai le seum parce que, hey, tu partais trop bien, wesh. J'ai voulu faire un truc compliqué, tu connais. Mais de toute façon, les vrais textes, ils arrivent là. Faut aussi dire que vous avez préparé vos petits freestyles. Ouais, à la va-vite. Petite durée. Ouais. 30 minutes. 30 minutes. Et pour 30 minutes, personnellement, moi, il y en a deux que j'ai bien aimé. Mais il y en a un qui avait du mal à respirer. Pour une respiration. Pour moi, c'est Loni. Après toi. On est d'accord, c'est Loni qui a fait la meilleure prestation. Mais ils veulent savoir qui a floppé. On n'a pas besoin de trop parler. Ouais, vidéos. Franchement. Je pense que vous l'avez vu, mais après, en vrai de vrai, tout ça avait du coup de Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on soit gentil ou méchant? Vous faites méchant. Non, non, faut être cru. Oh. Ah, les... Merde, faut être cru. J'ai éclaté. Et là, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il faut là? Je peux dire, je peux être. Ouais, non, faut être ça. Faut être cru. À la limite, si y a un classement, c'est dans les vrais freestyles, s'il vous plaît. Ok. Non, non, moi je suis pas d'accord. Là, oui, tu vois, on dit on a ici ensemble, tout ça, tu me taillis. C'est comment? On est des compatriotes. On vient du même, de la même île. Bon, vas-y, je dirais pas que c'était le plus nul. Vas-y, je dis rien. Oh non, c'est Chess. C'est vrai, là, t'as lancé, on a fait un pacte à trois, on a dit haïtien tous les deux. Ouais, excuse. Ouais. C'est mon bille, non? Vas-y, en vrai, ce qu'il faut retenir, c'est que Loni a gagné cette manche. Ouais! Aïe, un début de battle hésitant pour certains, ce qui m'a permis d'obtenir un premier point. Grâce à cette victoire, je pourrais désigner ma place, plus la place de quelqu'un d'autre au prochain battle. C'était l'échauffement, fallait que chacun trouve ses marques, je pense que la suite sera meilleure étant donné qu'ils auront tout préparé à l'avance. Voyons voir ce qu'ils nous réservent. Non seulement je pars avec un point, mais en plus de ça, je peux désigner grâce à mon joker qui va démarrer le prochain freestyle. Déjà du coup, moi je me mets avant-dernier. Qui va commencer? Je vais mettre Totoche. J'avais. Bien fait. Parce que Totoche, il y a des choses à prouver. Totoche, je veux voir, je suis pressé de voir ce qu'il veut me faire et ce qu'il prépare. Ah mais non, attends, c'est Totoche qui a commencé tout à l'heure? Ouais. Evan. Voilà. Oh. Non mais t'as vu, tu peux pas retourner en arrière, genre c'est trop tard. Si t'inquiète, regarde, background. Au montage, y'aura pas, au montage. Au montage, y'a rien. Hein. Evan. Battle de freestyle 4, t'es en 4-4, j'arrive pour les découper. Depuis le battle de freestyle 3, j'attends ce moment, donc j'ai fait mon dégradé. Toi, je m'arrive à la cheville au premier degré. Regarde lui son bidon plein de graisse. Loni est youtubeur mais il est riche que en matière grasse. Totoche gros front comme code barre. Lunettes rondes comme Harry Potter. Tiaga Aradavra et son gros front est tout plein de sueur. Là je suis pensé faut pas que je me loupe. On est sur la chaîne de ce gros plein de soupe. Chassé nul au début j'ai cru qu'il était juré. Il est trop nul ne me fait pas jurer. Eh, je reprends ma respiration. Attendez. Ok. Samuel grenet comme fusil à pompe. C'est le flot d'impliqué que tu pompes. Tu sais qu'elle me m'a dit qu'a priori dans les freestyles je suis son favori. Nous listons signe astrologique. C'est sûrement pas la balance. Toi-même tu sais qu'il y a écrit Bellec quand tu grimpes sur la balance. Les jeux de mots c'est ma méthode. Samuel grosse touffe un peu comme Todd. Elle me prend pour son jouet donc quand on est au lit elle crie oh my god. On arrive à deux sur le deux temps. Mais si Loni monte ça prend plus de temps. C'est embêtant il se fait laver par un bouc de 18 ans. Totoche c'est le seul mec qui a une idée devant la tête. T'as bien fait le malin dans le battle 3 donc là je te fais ta fête. Sa copine me fait des gâteries. Elle kiffe trop quand je la paye en liquide. J'ai trop de punch donc je m'égare. T'as me font la saute comme les portiques de la gare. En plus ta meuf n'est pas rappeuse. Pourtant elle veut que poser sur ma. C'est devenu ma. Ah, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. En fait, ma dernière phrase, c'était la ref, c'était le mot qu'on devait caler dans un animé. Il faut que tu la dises du coup. Vas-y, j'ai dit. C'est devenu ma Migi, elle mastique, je rentre dans son body comme un parasite, c'est tout. Putain, tu l'as raté, gros, ouais, elle est incroyable celle-là. Ouais, je sais, mais vas-y. Putain. C'est quoi la phrase qui m'a matrixé? Il avait dit quoi? T'es riche qu'en matière grasse. T'es riche qu'en matière grasse. Oh mec, t'es chaud. C'est toi, t'es chaud, wesh. Bon, franchement, on peut l'applaudir.
Moi, je vais bien décider mon prochain. Tiens, tu veux décider, ouais, tu décides. Je pense que c'est Samuel. Allez, Samuel. Merci. Bon pif. Ok. Ah, un. Moby. Ok. Moby. C'est qui? C'est Moby. Je rentre à l'IMT sur la prod. Pour fumer tous mes os, mes bons osseux sont plus élobes. Je t'entends, je t'attends, t'es ronant, j'irai miel pop. J'ai devenu une légende, tout comme Will Smith. Dire Rika S au Stan Smith, Evan a une tête comme père de Stan Smith. Hey. On m'a dit, Moby, il faut que t'articules. C'est stade au moins, voici 500 scrupules. Je la gâte à escroquer, puisqu'il aime fait des baillards, trop son truc, gesticule. Le nid des balles, les chiffres pour Hercule. Toto, je ressemble à une grosse testicule. Evan, tu ressembles à un gobelin qui vient tout proche du château d'Iru. Il a le culot de, alors qu'il porte des culottes, Igo. Il est touché balèze comme Hippo. Je mets déjà Besso à Jimeno Hippo. Et un manque d'espace, vu qu'il y a l'ONI, il prend trop de place, ce gros-là. Evan, tu es quartier comme un rapace, celui qu'on appelle le radar Zen. Tu vas m'arrêter là, pour toutes les catins qui étaient à Marbella. Tu la tartines, et tout comme Evan, elle nous dit y'a que quand je suis nu, t'es la chaise. T'as plus de buzz, elle s'opère dit, t'as plus trop d'inspi à ce qu'on m'a dit. Mais Totoche, pourquoi tu ris, t'es trompe, et t'es tout petit, elle s'opère bien. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu et j'ai bu. Cette équipe prend plus de trous du cul. Totoche, t'écoute ton fond, le U de Super U. Regarde-lui là-bas, la taille de son cavier. Je suis à ça d'activer mon alter. Mais je brisais des carrières, t'as une tête de fourmi chimère. Mais bon chef, aucun stress, t'attires les fraises, sa chaise, t'es mal à la taille de ses grosses fesses. Même derrière, c'est les d'une caisse, mais ça pue quand tu l'as des grosses caisses, putain. Il faut que ça cesse, je tire trop, je sais que ça vous blesse. C'est toujours chaise que je tiens en laisse. Et quand il se baisse, bizarrement, il crie yes. C'est bien, garçon! C'est bien! Oh, c'est ça, comment tu t'aimes? La main! Oh. C'est bien, garçon! Et je me demandais quand est-ce que t'allais t'arrêter? Eh, Moby, eh, la Moby, Bruno, on l'applaudit! Eh, il s'est amélioré! Putain! On a compris tout ce qu'il a dit! On a compris! Non, franchement, Moby, oh bravo, putain! Franchement, ouais, je suis compris pourquoi il parlait pas beaucoup. Non, t'es un mec comme ça, j'aime bien. Moby, c'est lourd. Putain, y'a du niveau, hein! Moby, il m'a choqué, wesh! J'ai hâte de voir la suite. Bah, du coup, là, c'est entre chaise et. Ouais, bah, non. Du coup, c'est qui le suivant? Entre chaise et Totoche. C'est moi qui décide. Ouais. T'es avant-dernier, Loni? Ouais, c'est avant-dernier. Faut que Totoche finisse chaise, chaise. Vas-y. Vas-y. Ok. Navigation privée. La chenille de ta meuf est publique. Lumière basse. Ce soir, elle va mathématique. Elle veut se faire casser le fiac. Elle compte sur moi, c'est mathématique. Ta meuf connaît tous les jutsus. C'est une vraie chino bitch. Après l'avoir qu'un, je la fous à la porte. Je la fous même pas dans un hitch. Façon poteau, c'est déjà que la place de ta meuf, c'est la kitchen. La kitchen, confronte Valès comme une guichta. Si ta meuf sort avec toi, c'est parce qu'elle confond avec Yvick. Obitago veut me sec, mais j'ai pas dit Jacadi, 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 Jacadi. Elle a un gros bonda comme l'archiverbe, le charbondi, charbondi. Gobgonobi sur son fiac, ça rebondit. Ça pousse une moule tellement, ouais, je la soulève en jet ski. Douche dorée, je lui fais découvrir le One Piece. Elle me lèche mes deux boules, ensuite je me barre et je lui laisse une pièce. Loni, ta grosse pro pour le sosie de Riri. Dis-lui doser, t'es ma sa tronche, même la vache qui Riri. Il a dit, même la vache qui Riri. Jacques a dit, Jacques a dit, Jacques a dit, Jacques a dit, Jacques a dit. Mais non. Ouais, Loni est youtubeur. On commence par Evan. On commence par Evan. On commence par qui? On commence par quelqu'un d'autre. Ta meuf a le bonda de Beyoncé. Je l'ai bien zooké, je vais pas la fiancer. Je sais pas qui l'a ambiancé. Elle m'a demandé un prénom de fiancé. Coulure, je suis peut-être une ordiante formée, je connais, c'est pas le plan financier. Un œil fermé et elle va me devancer, je vais pas la laisser tout manigancer. On a dit pas les merdes, dommage, je voulais me la faire, rien que ça me fout les nerfs. Énervé, j'ai foudroyé ta meuf comme énerve, donc j'ai plus d'INR. On a joué à la chienne et au vétérinaire. La sœur des vannes kiffe ma baguette, donc elle m'appelle le boulanger. Elle est nulle en levrette, elle sait pas cambrer. Son dos fait une boule, donc je la prends en G. La légende raconte qu'en allant vers Evry, il voit Corbeil et Son. Mais il voit Paris quand il va vers Boston, mais il voit plus le cas. Hey, Loni, Loni, hein? C'est comment? Hello, what? Ta meuf a le bandage Beyoncé, je l'ai bien zooké, je vais pas la fiancer. Je sais pas qui l'a ambiancé, elle m'a demandé un prénom de fiancé. Coulure, je suis peut-être une ordiante fermée, je connais, c'est pas le plan financier. Un œil fermé et elle va me devancer, je vais pas la laisser tout manigancer.
On a dit pas les merdes, dommage, je voulais me la faire, hein, que ça me fout les nerfs, énervé. J'ai foudroyé ta meuf comme énerve, donc j'ai plus de GNR. On a joué à la chaîne et au vétérinaire. La sœur des vannes kiffe ma baguette, donc elle m'appelle le boulanger. Elle est nulle en levrette, elle sait pas cambrer. Son dos fait une boule, donc je la prends en G. Revenx. La légende raconte qu'en allant vers Evry, il voit Corbeil et Son. Mais il voit Paris quand il va vers Boston, il voit les Conakry quand il se barre à London. Il est 30, vous mettez les pendules à l'heure. Car rien décalage horaire entre tes yeux, négro, une vision infrarouge, t'as peur. C'est le seul qui a réussi à voir Dieu. Je lui fais couper décalé comme des marionnettes, RPZ de Flamingo. Sa tête est aussi profonde que le coup de gecko. Quand je crie à l'intérieur, ça fait des échos. Ouh, il sépare les yeux des vannes en deux. Et moi, je sépare les jambes de sa sœur en deux. Oculus répare mon petit chameau. Il ressemble à Gollum dans Seigneur des Anneaux. Ouais. Changement d'ambiance, augmente le son. Changement d'ambiance, c'est pas assez fort. Il nous a mis dans l'ordre. Totoche. Tes petites gimmicks de bâtard, tu les gardes, pourtant là y'aura bagarre. Mais pas en pétard, t'as tes deux tétards. Quand tu fais tard, ta meuf suce mon pétard. Je fais sur ton crâne, mais ce qui me se foire, la fouf de ta meuf sans le thème pourra. Bientôt la calvitie de père fourrasse, même son corps perdu, vas-y sale fourrasse. T'as pas le courage. Totoche, tu prends briller tes cours, lumière de poche. Tu prends la grosse tête, on aurait dit une cloche, on aurait dit une bosse en direct à la bosse. Un million sur TikTok et depuis le crâne. Félicitations, mais dites-moi comment c'est possible d'être enceinte du crâne. SO Jimmy Neutron, Chess, tes cours stock. On dirait un Cerberos. Mais ce qu'il y pense qu'il a lâché deux The Rock. Mais il ressemble à Rick Ross. On dirait un catcheur, mais sur Instagram tu fais le mystérieux. Tanto chez toi dans un featuring, on dirait Batista et Rey Mysterio. Mais ce qu'il y pense que sa meuf ressemble à Adriana 42. Mais elle ressemble plutôt à Jimmy Labeu. Ce soir on sera à l'hôtel, tu toqueras à la chambre 142. Il pensait qu'il finirait leur vie à deux pendant qu'il lui dit adieu, moi je la casse en deux. Maintenant il appelle des numéros douteux. Si tu t'es fait cocu, appuyez la touche 2. Chez nous pas de cookie comme 6ix9ine, mais j'ai vu la meuf d'Evan sur un site X. Ils veulent apprendre du spi en 6ix9ine, mais j'ai plus la galerie, pratique le 96. J'ai croisé Evan sur Mayon et fan, mais Tiki qui il n'a que un fan. Je vais vous dire c'est qui on est mis endossé. C'est la gauchesse parce qu'elle est habituée. C'est la gauchesse parce qu'elle est habituée. C'est la gauchesse parce qu'elle est habituée. C'est fini. Non. Il faut qu'on dise quelque chose. Au nom, ouais. Là, au nom, je veux dire un truc. J'ai jamais eu ce feeling. Quand il a changé de tempo pour me vanner, j'ai eu des frissons. Au nom. Ah, c'est marrant. Merci. Encore. Bon, du coup, on fait pas moi après. Je veux pas. Je vais quitter la pièce et quand je vais revenir, je vais pas être totoche. Donc. Oh. Ok, vas-y. Oh putain, j'ai peur. C'est quoi le délire? Mais c'est bon, c'est la mise en scène, truc bizarre là. Je l'ai dit, il allait faire une mise en scène. Ouais. Va, solo, si c'est ça. C'est sûr. Ok. Wesh, il est venu en freeze. Ferme ta gueule. Hé! Ok! Hé! Fuck Moby et Evan, ils sont trop gays, hein! Poule! Fuck Moby et Evan, ils sont trop gays, poto c'est pas des vannes! Une drôle d'odeur qui s'émane, déménage son QS au Plaza Stéphane! Je suis une légende, j'aime pas les gens! Loni, j'ai chant! Gros bide, géant! 665! Get le track, la Godloni, je l'ai pas follow back. Y'en a contre l'âge dans ce groupe de 4. Chess, il est vieux, S au Goldorak. Vision comme Evan, j'active le Byakugan. Dans sa meuf, j'ai les moves du Kogan. Chess dandy, jamais son bâton. Entre les yeux d'Evan, y'a 20 bâtons. Cousine à Chess, j'ai coqué. Mélange ses fesses comme dans un poké. J'arrive chez elle sans toquer. À la fin du bail, son dos est bloqué. Moby est fort, c'est ce qu'il croit. Mais à son règne, je suis venu mettre un terme. Loni gros porc, Moby connard. À la maison, c'est la foire à la ferme. Je fais des grosses liasses avec des boulimiques. Loni et moi, on est potes seulement pour le fric. Il est gros et balèze, lui c'est Obélix. Le grade de Moby, c'est un obélisque. Celle de ménage, je veux Liliane. Mais je galère car je suis vilain. On me parle pas d'AGS ou Kylian. La go de Loni, c'est une 2001. Loni croit qu'il est comme Astu. Au flop, il a dynamasté. Son album, il s'est pas bien vendu. Même Navigo était plus streamé. T'aurais dû rester chez toi et faire des squats. Ici c'est violent comme le SWAT. Demain matin tu repars, tu boites. On sait qu'Evan il a sucé pour gagner des follow au max. J'espère que tu l'as bien remercié. Gros SO Akinda ça max. Dans ses stories toujours à l'hôtel. A chaque fois je me dis mon dieu. Tu vois la teuté Akinda et derrière une paire de yeux. Dans le game je vais faire mon entrée. Chess est venu pour se faire F. 1 solo. Dans le game, je veux faire mon entrée. Chess est venu se faire éventrer. Loni, les sous, faut rentrer. Belek, Disha, bientôt sa rentrée. 20-21, j'annule un sort. Je suis là pour sauver l'hélico de Kobe. 665, solo à mort. Je suis là pour le cash, l'attentat à Moby. Ha ha ha!
Tu viens de m'éteindre devant des millions de personnes, c'est ça? Non. Bah du coup on laisse le jury délibérer. En fait là j'ai mal au crâne. On va laisser le jury délibérer. Evelyne, on s'en souple. Ouais, allez, oui, vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir. Comme ça on vous entend pas. Le jury a fait son choix, c'est le moment de délibérer, je vous laisse la parole. Le choix était très compliqué. Nous avons un gagnant, mais aussi une mention spéciale. SO Evan, SO Loni. Mais qui est le gagnant, qui est la mention spéciale? Il n'y aura pas trop de suspense, mais le gagnant c'est Totoche. Une personne qui pose bien sur une prod, en l'occurrence là c'était deux, parce que le book il est trop loin. Bref, mention spéciale à Loni. Merci. Encore, bah encore félicitations. Juste dire pourquoi on a choisi. Ouais, s'il vous plaît. Ouais. Bien sûr. Bah vas-y, je t'en. Non, c'est toi, je l'ai bien dit. Ah, ok. Loni, très chaud au niveau freestyle. Mais Totoche, je vais rajouter un bonus parce qu'il y a la créativité. Il a fait une bonne intro. Il a changé de personnage. Il s'est mis en mode Freeze Corleone. 665. Exactement. Voilà. Avec et tout. Non, franchement, rien que pour ça, moi j'aime bien quand il y a un petit côté drôle, créatif. C'est ramené avec un nouveau flow et juste pour ça, bah, il mérite le point. Je suis d'accord avec le jury, franchement tu m'as impressionné. Je vous cache pas qu'au départ quand je t'ai vu venir en Freeze Corleone, je me suis dit putain. Il est en train de jouer au jeu de tous les gens qui disent ouais, le flow de Free, je sais pas quoi. T'as respecté Freeze Corleone, c'était incroyable. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup des petites comparaisons sur le flow. Et je me suis dit bah tiens, je vais essayer de rentrer dans le truc, dans le vif du sujet. Ouais. Et comme j'arrêtais pas de répéter à tout le monde, c'était Kitoudou pour moi. Bah, c'est parce lourd. Que ton freestyle est incroyable, donc ouais. Franchement lourd. Vous savez bien que ce n'est pas terminé parce qu'il y a le deuxième freestyle qui arrive. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. Ouais. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. Yes, sir. Ok. Donc, c'est parti. Des punchlines violentes et une mise en scène digne des plus grandes comédies musicales. Totoche arrache le point du premier vrai battle et finit ex aequo avec moi. Mais ce n'est pas fini, les autres ont encore la dalle. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. 1, 2, 3. Oh non, mais j'ai le 1. J'ai le 2. Je suis 3. Je suis 3ème. J'ai le 2. Ça, je suis encore 5ème. Putain, j'ai le 2. Ah ouais, tu finis bien, bâtard. Bon, du coup, c'est Moby qui commence. Allez, on l'encourage. On l'encourage. C'est parti, Moby. Courage. C'est Moby, hein? C'est Moby. C'est le Moby. C'est Moby. Moby. C'est du jazz. Moby. Oh, c'est du jazz. C'est du jazz. Oula, c'est bon. C'est vrai que l'amour rend aveugle, surtout je chèquerai dans ses yeux. Elle m'a dit que manger pas de halou, pourtant elle aime pas prendre ma saucisse. Je deviens un artiste, j'avoue que ça fait mal comme un dentiste. Tu sais, belle Moby, c'est pas un BU, je suis un MC, je fais que des assistes. Je résous tous mes problèmes comme Martin Mystère, Totoche, il fait le mec mystérieux, mais il est tout petit, oh, je verrai Mysterio. Je suis plus fort que c'est une fatalité, on va tous mourir, c'est la finalité. Je rappe sur la triche pour la facilité, t'es malade, t'es dévain, il y a une facile illettrée. Loni il prend pour Usher, mais lui c'est plutôt Uber. On est parti dans un walk et pour tout finir il n'a pris qu'un quart d'heure. Tous les jours j'irai fuck à Dodge, c'est skinny chic et balèze comme une golf. J'ai les projets là t'as comme un gauche, je lui mets dans le trou comme si je faisais du golf. La fin n'est même pas violente, mais tu bouges ta tête sur le bout du violon. Regarde lui la peau c'est un vrai lardon, je pense que si on le découpe ça ferait du beau cochon. J'ai fait mon jeu, on va prendre des jazz comme si j'étais Barry White. Totoche, il fait le tisse, mais mille, il pense qu'il est sucré comme un Twitter Bruno White. Fuck les meufs, fuck les meufs, des pertes de temps, des pertes d'argent, ce sont des bitches, ce sont des filles de Satan. Fuck les meufs, fuck les meufs, des pertes d'argent, ce sont des bitches, ce sont des filles de Satan. À la base, Snapchat, c'était pas pour snapper sa chatte, mais au plus fast que t'es, tu prends pour Sacha et tu l'envoies pour attraper tous ces gros chiens. T'es mal à la tête de chaise et de sac en mur, mais c'est aussi solide qu'une armure, Totoche. Des minuscules en dirait un sachet de levure. Tu me passes de la course pour gagner le trophée. T'es petit et épais comme un préservatif. D'ailleurs, ta voix se plaint de ton petit jouet. Evan, tu ressembles à un natif, mais c'était pas toi dans un film qui avait joué. Pour ce soir, ma fille, je répète encore, mais vous êtes tous mes bébés. Je répète encore, mais vous êtes tous mes bébés. Je répète encore, mais vous êtes tous mes bébés. Oh, bien, bâtard. Elle est bon. Mais en fait. J'ai remarqué un truc, Moby, t'écoutes son texte, t'es dedans, jusqu'à il sort un sachet de levure. Totoche, ça va? On a pas à l'aise, à l'aise. Moi ça me fatigue. Totoche, t'es petit comme une miette. Wesh, on a compris, je suis petit, chef.
En fait, je lui ai dit, si tu viens avec des trucs comme ça, ça va plus passer. Et ça passe encore. Tu vois comment il fait. T'as une capacité pour faire des trucs, si, tu vois. Si nous on avait sorti ça, ça serait pas passé. Genre, je sais pas pourquoi, c'est parce que c'est Moby qui sort ça. Sachet de levure. Wesh. Bien vu Moby. Du coup, là, on va enchaîner. On va passer aux deux. C'est qui, c'est Evan? Moi, c'est moi. Là, je commence à avoir chaud. Pour ce freestyle, je vais dire que du bien, j'en ai marre de les vannes et mes gars sont trop soin. Totoche est bien beau, un lesbien de qualité. Chasse il est stock donc je vais pas le vanner. Samuel c'est trop mon gava, même si toutes les vannes sur moi ça m'a gavé. Loni m'a fait monter comme un trampoline, t'inquiète j'arrête de vanner ta petite copine. Totoche est tout petit, je suis pas sa meuf. Mais bon c'est quand même mon petit ami, petit avis sur ce battle de freestyle. Il est comme un origami, ramène ses 4 gars que je m'alimente. Allumer le feu m'est venu à l'idée. Samuel, y'a pas que le 14 juillet que j'allume le pétard de ta gadji. Que des dégradés, pas comme Elvis Presley, la copine à l'ONI veut que je sois son. Presser le poteau à des waves, il sait même pas nager. Dans les fesses de sa soeur, je veux emménager. C'est pas un gala, mais elle veut voir Bangala. Je veux qu'elle me touche en bala. Elle te racontera tout d'un salade, nos parties de genre. Ils ont mis que l'escalade, Loni appelle sa copine, elle répond pas, on parle pas la bouche pleine. Un peu plus que je ne suis pas chanteur, je vais la soulever en tant que reine. Elle a besoin d'aide pour se détendre, je lui donne un petit coup de pouce. Eh, t'as capté ce que je voulais dire, un petit DM sur Insta et je la mousse. Totoche Tok, son million d'abonnés dans son front, moi et sa mère, y'a une connexion. Elle me fait souffrir, t'inquiète pas, tout l'ISFR. Les odeurs de Totoche sont éphémères, c'est quatre gars, je les vois comme un jus dans un petit gobelet. La fille Bialoni aime qu'on m'appelle bébé, elle veut que je devienne son gobelet. J'ai un stock, on dirait les Nokia à l'ancienne. Tu n'es pas son tarif face à Fimbi, tu sais qu'elle en fera des siennes. Samuel, ta sœur est une princesse, car elle a ma beuteuse dans son palais. Tu mets 3D comme Bouli sur le latex, elle dit ne fait pas laisse. Elle est bien, vous avez compris, pas l'aise. Mais bien sûr, on a compris, vas-y, va te faire foutre. Il a dit, Tata, je tape le milieu d'abonnés dans son. Ah non, ouais. Oh putain. Putain, mais hey, comment vous êtes fort comme ça, wesh? Oh, je suis wesh. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est qui? S'il te plaît. Respecte-moi, sinon c'est coup de taser. Comme ça tu seras mis au jus. Oui, j'ai remis ta punch, tes yeux on dirait les boutons pleins de pu. Passons aux choses un petit peu plus impures. Au Battle 3, certains ont décidé de cuisiner ma meuf. Bon courage parce que c'est par les vôtres que je vais démarrer en prums. La meuf d'Evan a plus tourné chez moi qu'une toupie Beyblade. Je l'ai tellement bouillave que pendant l'orgasme écrit des incantations du bled. Ça fait 3 jours que la meuf de chaise m'appelle, elle me fait trop de la peine, elle me raconte ses problèmes, genre ta mauvaise haleine. À ce qui ton gag est plus court que tes dreads. Elle en a marre que tu fortes tes battles, j'ai le consolé chez moi, j'ai sa moule plein la gueule. Je fais le mounou dans sa tâche comme Michael, il fait 1,72 donc imagine sa tub. Evan est moche mais je vous apprends rien, il rêve en script que Totoche lui suce la brioche. Eva de oh, tu es tellement en manque que tu pépons la version mertise de Sardoche. Hey. Joe toujours gainé quand faut terminer ça, mais son gros nez jaune comme une guinée. Tes chicots pourris sont même pas brossés. En deux punchlines, je t'ai rossé. Pas de pesos donc tu viens cesso. Pour quelques euros, ton bancaire affiche toujours zéro. Comme les notes que t'as en histoire géo. Moby a gagné en faisant du mumble, mais je te graille comme un crumble. Ta meuf en a marre de des blagues Lidl, donc vaut mieux rester humble. Qu'est-ce que je raconte, il a même pas de meuf, c'est dans le cassé, on dirait un serpent. Depuis le prendre melon, mais gros, je vais te mêler, tu finiras seul sur le deux temps. Au club de foot, il se prend pour peler, mais son rinté, il est là, rien foutre. Il s'est mis à toquer, mais je l'ai crossé. Demande à maman de t'apprendre à coudre. Ses dents font une mêlée, ses cheveux sont en mêlée, on dirait un problème à résoudre. J'étais brûlé dans les délais, tu rappes comme chaise qui bégaye, c'est un yao. La légende raconte que la meuf de Totoche crie mon prénom quand il lui fait l'amour. Impliqué en sueur quand il écoute les lines de Moby, j'espère qu'elle est bonne sa poutre. Le battle de rap 3 était une erreur de parcours, mais c'est pas grave, je passe outre. La sœur d'Evan rêve d'avoir des gosses plein de talent, donc je lui ai offert ma foutre. Eh, eh. C'est LO2NI, c'est LO2NI, c'est LO2NI. Aïe, c'est LO2NI, c'est LO2NI, c'est LO2NI. Ma meuf, elle crée pas Loni, elle dit Anthony, parce qu'elle oublie, je m'appelle Antoine. Ah, ah, c'est pour ça. C'est pour ça, frère. Ouais, comment il rebondit à chaque fois, il m'énerve. Bah, je pense que là, c'est HS. Égale la tête à Totoche, t'es mal le crâne, en un coup de tête, tu pourrais tuer Thanos. Mon vita gouverne, mec toxique,
cool, je fais écouter Digadi. Elle fait la sainte, nous touche, mais au final, la stick magique gadi. Evan, t'es long, t'es maigre, grosse tête bâtard, tu sembles à un AirPod. T'as mal les joues, mes bulles, et quand je te vois, j'ai envie de jouer au golf. Il a perdu son texte, il a perdu son texte, il a perdu son texte. Il y a beaucoup de vie, il a perdu son texte. Il a perdu son texte. Avant-hier, j'ai appelé son ex. Ah, pendant pour le reste, j'ai vraiment perdu mon texte là. Bah, c'est cuit. Bah, c'est cuit. Moi, tu l'as Il a gagné que le début où il m'a vanné, après il a perdu la suite. Il reste que Totoche, le meilleur pour la fin on a dit. Il y a un refrain, tous ceux qui veulent se joindre au refrain, n'hésitez pas. What? Hey, lago de chaise, 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 m'envoie ses fesses, 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 yeah, let's go. What? Lago de chaise, 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 m'envoie ses fesses, fesses, fesses. Le prêtre est venu laver les péchés. Loni ravale ta salive, y'a pas de poisson. Evan n'est pas beau et Sago non plus. Imagine le futur gueule de leur fiston. Grand, gros front, yeux écartés. Oh les fous, ils ont fait Moby. Evan, on sait qu'avec tes yeux, tu maîtrises l'espace et le temps. Comme Toby, la cousine d'Evan, elle est trop moche. Elle est balèze, on dirait Garou. Un peu de poids, elle a des locks. Au nom de Dieu, de dos c'est balou. Loni, dis-moi pourquoi t'as choisi Disha. Get sa dégaine dans la rue, c'est Ficha. Elle a 11 ans, t'en as 30, c'est quoi? Le camion blanc devant l'école, c'est toi. Evan à Paris, il dégaine de Clodo. Il a jamais les villes short de Navigo. Loni perd en vue, mais gagne des kilos. Evan version antillette de Picello. Chess, va chez Disha pour faire du billard avec la queue et les boules de son slip. Il la fout droit, elle croit qu'ils sont 25. Disha l'a comparé au bap tout dans Split. Ah, c'est pas fini. Lago de chaise, chaise, chaise. M'envoie ses fesses, fesses, fesses. Je suis young, j'ai bégayé sa mère. Lago de chaise, chaise, chaise. M'envoie ses fesses, fesses, fesses. Il voulait finir sur TikTok. Moby, tu stresses, tu suis des fesses. Iva est là, tu fais le mec, tu fais le gars. Mets tous tes règles comme sur Insta. Femme qui rit à moitié dans ton lit. Loni est très drôle, mais Disha ne rentre pas. Le Renoir est photo comme The Rock. Ici en France, on l'appelle The Gras. Mm-hmm. Loni, une boule noire, on dirait un point. 9 fois sur 10, t'as pas tes coins. Mm-hmm. Mais c'est l'argent qui te rend soin. Iva m'a dit, t'es un coin-coin. Iva m'a dit, t'es un canard. La mère dans le cible, c'est un calbar. Quand tu lui parles, il est très tard. Oh. Amstram, gram, boulimique et kilogramme. Et la meuf de Loni en missionnaire, elle perd son âme. Côte cassée, trop de poids sur elle est entassée. Avec toi, elle aime pas trop taffer. T'as des sous, sinon elle serait cassée. Let's go, one more target. La meuf de chaise, chaise. Non. La meuf de chaise, chaise, chaise. M'envoie ses fesses, fesses, fesses. Let's go. Oh. Abby, SO, Abby. Lago de chaise, 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 m'envoie ses fesses, fesses, fesses. Je suis désolé, bébé. Attends, tu rentres. C'est fesses, c'est quoi? Wesh. Oh, j'ai eu peur. Non, j'ai screené, wesh. Ah, ok, j'ai cru. Mais il est malade, lui. Non, y'a rien, arrête. Allez, bébé. Mon gars, t'es venu pour régner, toi. Putain. Mais en fait, on savait, il m'avait appelé pour prévenir que peut-être c'était un peu borderline ses textes. Je lui dis, mec, va jusqu'au bout. Il y avait ma meuf à côté, elle a dit, mec, vas-y. On va se retrouver, je niquais, mais. Bah, les jurys vont délibérer, donc let's go, on se retrouve après. Du coup, le jury a délibéré. Voilà, je vous laisse la parole, les gars. Bon, bah, pour cette manche, la victoire, elle va à Evan. Le refrain, tout ça, c'était cool, la gueule de chez chez Zoé, mon pote. Moi aussi, j'avoue que j'avais une préférence entre Totoche et toi. Après, Loni aussi, il y avait vraiment fait ça et du beau chaud. Mais à partir du moment que ça me fait rire, moi. Ouais, ça y est, on prend. Alors, franchement, bravo, Evan. C'est un coup de mieux. Quand c'est une bonne, elle veut pas! Comme la reine, m'en fiche. Ouais, j'ai rien dit, wesh. Non, mais calme. Une technique digne des plus grands MC et des vannes qui ont réussi à mettre le jury KO. Evan prend un point sans stress et se hisse en tête du classement ex aequo avec Totoche et moi. Est-ce que la prochaine partie sera déterminante ou alors Chess ou Moby vont choper un point? La réponse tout de suite. Ok, on ouvre? Ouais. C'est parti. J'ai 4. Qui est premier? Totoche. Aïe. Je saute vos meufs comme le marsu. Faire mieux que moi devient ardu. Chaise rapa, t'as déjà perdu.
ton honneur, tu l'as perdu. Chess et Moby, c'est les deux maillons faibles. On fait comme s'ils étaient chauds. Je vais séparer leur tête de leur corps, comme si je leur ai mis un poncho. Totosh le G, je suis un OG, toutes vos tatas dans une orgie. Pas de place ici pour les loger, je les ken chez moi dans mon logis. Je sais pourquoi Evan cache sa go, parce qu'elle a un gros pif de ouf. Dyson V8H70, elle aspire la poussière de ouf. Son visage on dirait un fusil à pompe dans Red Dead 2. Quand je lui réponds en DM, danse à la culotte, c'est le grand bleu. Fuck l'endurance, sauf sur la meuf de chaise. Je me sens comme Lucky Luke, tiens ses cheveux comme une laisse. Loni Disha, elle me disait qu'elle veut ton cash, donc fais bélec. T'es pas son gars, t'es pas son mec. Sugar Daddy ou son ancêtre, Chestago, elle veut des enfants, mais t'as pris trop de stéroïdes. Et le jour où elle tombe enceinte, c'est sûr, dans le ventre, elle a un droïde. Ah. Ivana, attends, je t'explique. Si Moby t'appelle qu'à partir de 10h, c'est qu'il a la main dans le slip. Ah, il dit quoi? Il dit Ivana, montre-moi tes danses. Ivana, wow, tes doigts de pied. Ivana, j'aime bien ta tête, mais envoie des photos de toi en entier. Je suis dans Paris avec la tante de chaise. Je suis pas coiffeur, mais j'arrache ses tresses. Je suis pas facteur, mais quand elle demande de lui faire un cadeau, je mets le colis dans ses fesses. À la recherche du bonheur, bientôt ta situation. Déplacement de produits douteux, compte en banque en fin de session. Loni est là, t'inquiète. Envoie ton rib, baisse ton caleçon, mets-toi à genoux. Ramène ta meuf, on fait un trisome. T'auras des sous, t'auras des lovés. Toi à Bordeaux, t'es connu pour te piquer. Je suis pas le vaccin, mais ta gauche, je l'ai piqué. Hey. Je suis dans l'hôtel de vos tantes comme le pass sanitaire. Je leur fais un test salivaire. Loni a le même gabarit que l'acteur dans Les Voyages de Gulliver. Les gars, le jour où je serai amoureux, franchement, je vais le dire. Moi, j'ai pas du tout honte d'assumer ça. Il m'a dit en FaceTime, il m'a dit en FaceTime avant de dire qu'il allait dire à personne sur le CDD. Là, je suis dit, au nom de Dieu, il m'a dit, c'est un faux gros. Oh le chien. Oh le chien. Mais il est malade. Mais t'es malade. Evan, Chess, le niveau est élevé comme les sables que tu n'auras jamais. Écoute toutes les peines que j'ai amassées, bien stock, mais toujours à la ramasse. T'as fait tomber tes boules, attends, je te les ramasse. Ta copine veut son tarif, donc tu sors les forfaits de je suis passé chez Soch. Je suis parti capter ta copine chez lui, on peut dire que je suis passé chez Chess. Ah, mais tu sais, Totosh, gros front comme une caisse à outils. Pour le tuer, faut 3 balles dans la tête, putain, on dirait Call of Duty. Allez, moi je tabasse, puis là, je suis chaud, un peu comme Tabasco. Je le fume mieux comme tu tabasses, gars, c'est devant moi que oui, tu t'abaisses, gars. Loni a le crâne à Piccolo, t'es maçon bidon, il fait que picoler. Tu plus de la bouche, tiens un petit ricolage, j'ai même pas tort, c'est de la rigolade, Samuel. Justesse, enfin bref, ta meuf c'est ma tigresse, j'en ai marre. Je vais pas pouilloler entre ses deux fesses, j'ai choix comme dans Combini. T'es ma comment, j'allume la mèche, pourtant, je suis pas cheater. Elle veut que je mette mes boules dans ses trous, on fait du billard. Entre ses seufs, elle veut que je la ken, pourtant c'est pas Barbie. Mes punchliners sont bien garnis. Mon médecin m'a dit de ne pas soulever d'objets lourds. Du coup je pisse assis Loni. C'est quand que tu cannes, tu te fais que dans ce battle de van. Elle me fait enceinte et je parle pas de la JBL. C'est ma viande, je la chasse comme JBL aussi. Je sais pas comment ils vont s'en tirer si elle m'aime pas. Je mets un... Ah j'ai raté la fin. Ah putain non. Ah c'est trop bien. Putain c'est incroyable. Ah gros. Putain j'ai raté la fin. Termine. Ouais, ouais, termine. Je peux reprendre à la fin. Ouais termine. Ouais. Calme. C'est lourd. Mais comment que tu cannes, tu te fais vivre dans ce battle de van. T'as me fait enceinte et je parle pas de la JBL. C'est ma viande, je la chasse comme JBL. Mon freestyle flingue, je sais pas comment ils vont s'en tirer. Si elle m'aime pas, tu mets un coup de taser à la sœur de Loni pour ne pas changer. En plus, il serait temps de mettre ton durag à la machine. Totosh est tellement petit, on dirait qu'il est passé à la machine. Oh les bâtards. Oh Seigneur. Mais putain de... J'avais pas fini mais... C'est vrai. Oh putain. Refini, non mais refini. Oh tu m'as refini. Vas-y. Il serait temps de mettre ton durag à la machine. Totosh est tellement petit, on dirait qu'il est passé à la machine. Maintenant faut un pass sanitaire pour passer partout. Totosh on sait que c'est passe partout. Comme sa copine qui est passée partout, quand faut le capter, elle est pas si partante. Oh, mais il est trop fort. C'est incroyable. C'est fort. J'ai des crampes aux joues.
C'est fort. À force de rigoler. Hein. Hey, mais t'as une facilité avec les jeux de mots qui me dépasse. Ouais, j'essaie d'en faire plein. Il est casse-couille. Putain, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Donnez-moi de la force parce que le début est dur. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ok. Loni. On commence par Totoche. Totoche Gagang. Totoche Gagang. On commence par Totoche. Hey. Totoche Gagang. Son front fait une porte, mon dentesse sur les falaises. Rage, je craque mes phalanges quand il me vanne mes à l'aise. La sœur de chaise est vachement balèze. Son dernier freestyle était ouais, j'étais mal malaise. Il pense qu'il pèse qu'on garde le malais, mais il est lourd comme Pierre Ménez appelle la LED. J'ai vos têtes avec une arbalète. Totoche est 100 000 fois plus petit qu'une canette. L'oseille du troisième dans la mallette, à deux doigts, j't'emmène celle qui t'allait. En vérité, chasse une femmelette, il cache dans ses bras toutes les palettes de sa meuf. Cette bitch, elle est gaze, elle est niaise, elle est mauvaise. Au lit, quand je la chope comme à l'anglaise, elle sent les clodos du métro de la ligne 13. En toute sa perruque, c'est Fabien Barthez. Prostitue ta sœur ne sera jamais rentable. Avec ta meuf, t'as des liens parentés. Petit cochon, il risque le code parental. Pour se toucher quand ses parents sont pas rentrés. Dans mes contacts, j't'ai mis entre parenthèses. Polygame, mais ça reste une hypothèse. Ta meuf n'est pas une princesse, mais elle possède le diadème, la reine des trinées, rien que j'la ken, ouais. Changement d'ambiance. Ah ouais. Ton front est aussi long que celui d'Yumi. Dans quoi de Lyoko. Le front de des contours. Son... Attends, je vais reprendre. Je reprends le switch. Classic ou pas? Classic ou pas? On va aller dans un big fond, ouais. Changement d'ambiance. Ton front est aussi long que celui d'Yumi. Dans Code Lyoko. Tes yeux sont à Miami, mais tes contours sont à Tokyo. Tu veux faire à Miami, mais en freestyle. Je te keko. Donc dans la casa des papels, je suis Rio. Et toi, t'es Tokyo. T'es moche dans la vraie virée sur Instagram. T'es un imposteur. S'il était facteur, ça aurait été. Un imposteur. Pour moi c'est trop facile. Ce n'est que l'introduction. Pour moi c'est trop facile. Ok. Chess. T'as cité le blast de ma meuf mais qui l'aurait cru. Mais je vais être cru. Si tu veux la mienne, c'est parce que la tienne sent le poisson cru. Waouh. Elle m'a dit qu'elle a besoin d'un gars plus accru. Hier je l'ai invité à toquer à ma porte. Je l'ai graillé comme un lustre cru. Oui dans sa cave buccale je pénètre. Tout est une question de taille et de diamètre. Je faisais des va et viens comme t'es net. Manquait plus que je la tais, je parle la fenêtre. Je l'ai doogie, elle a toujours les jambes qui vacillent. Donc ne fais pas sainte ni touche. Je sais que derrière mon dos elle crache dans la soupe. Mais moi j'ai craché dans sa bouche. Moby, t'as pas d'oseille donc tu me grattes pour quelques écus. T'es tellement moche, on dirait que maman t'a accouché par le trou du cul. Tellement chaud, on dirait une canicule. On a besoin d'une loupe pour voir tes testicules. Pour revenir sur la meuf de chaise, même avec un bâton je la touche pas gros elle pue. Sur sa touche, y'avait comme des tentacules. Comme les contours de Totoche, je prends du recul. D'ailleurs, pour sa grève, j'ai fait un contulule. Hashtag les contours qui s'annulent. Totoche peut jouer dans Blanche-Neige et les 7 nains. Miskin, il est même pas plus haut que 7 mains. Aussi court que le bouc de Moby, je vais te mettre dans de l'huile de ricin. J'ai mis la lumière sur vos gueules, mais matin, midi, soir, les gars, je vous éteins. En parlant du bouc de Moby, il colle le duvet, ça me brasse tous les matins. Il fait des partous avec Evan et Totoche le soir dans la chambre d'à côté. Un peu impliqué quand il s'agit de rapper, un peu moins quand il faut étudier. Je suis le fils préféré de maman. T'es l'enfant non voulu de maman. Si ta meuf t'évite depuis quelques semaines, c'est parce qu'en vérité je suis son amant. Tes freestyles c'était mieux avant, comme les contours de Totoche, faut aller de l'avant. Evan s'est tellement pris une tempête que ses darons devraient le rebaptiser Evan. Mal. Ok. Non mais vas-y, fais ta vidéo, continue frère. Ça me fatigue. T'es petit, t'as un gros front, t'es petit, t'as un gros front. Après on va m'envoyer des DM et tout, ça me casse les couilles. Eh, m'envoyez pas de DM. Celui qui m'envoie DM du battle, oh non, je le bloque. Sauf si tu dis je suis fort. Vu que voilà, c'est battle de rap, on a un invité de marque, la weed. Du coup, mon dernier freestyle, je vais le faire en mode rap contenders. Ah, comme ouais. À l'ancienne. Oh, putain. Ah, c'est bien vu. J'ai intitulé ce texte. Douleur pure de battle. Tu rappes que le sang coule. Pourquoi la meuf d'Evan est aussi vilaine? Je n'en sais rien du tout. Faut dire qu'en plus de ça, elle est pas futée. Elle lit les mangas de gauche à droite et elle me dit, mais chess, pourquoi les personnages saignent toujours avant même que le combat n'ait commencé? Qu'est-ce qu'elle est conne? Ouais, qu'est-ce qu'elle est conne? Putain, mais qu'est-ce qu'elle est bonne? Bande de PUTE. Aujourd'hui, je vous BUTE. L'orthographe n'est pas bon, mais je m'en fous, je suis pas Molière. Puis ça n'empêche pas que vos meufs me la bouffent même quand elle est molle, yeah. Cool object. Ouais. Evan, quand t'es pas là, ta meuf me dit, Chess, pour combien tu me laisses toucher en bas, là? Je lui dis, c'est la meuf de mon gars, mais... Ah, mais leg, pourquoi pas?
Ni une ni deux, je pèse mon caleçon Léopoldo. Elle se met à quatre pattes, mais elle comprend mal, donc je lui mets un coup de coude dans le dos. Je suis choqué, c'est une dit ça. Elle me dit qu'elle kiffe ça, la violence au lit. Avec Evan, c'est nul, il bande mou et je m'ennuie. Je préférais même me faire ken par Big Flo et au lit. Comme dit Omar Sy dans Intouchable, pas de bras, pas de chocolat. T'es mal corps d'Evan. Pas étonnant qu'elle m'appelle Daddy Chocolat. Loni, arrête le fitness. Deux ans que tu vas à la salle, mais toujours trois chiffres quand tu te pèses. Espèce de gros plein de soupe. Psst, t'as même pas de réflexe. Si t'étais un Pokémon, je pense que tu serais Ronflex. Disha, Disha, Disha. À chaque fois qu'on se voit, on le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais ça lui suffit pas. Elle leur demande encore, j'ai l'impression qu'elle a dit chatte. Dans ce battle, j'ai le rôle du challenger. Je montre le ring, je vous tue sans gants, sans prod, comme la weed à l'époque de Rap Contenders. Mais SO il est incroyable. Par contre tu vois, moi t'as eu la weed, c'est mon gars, t'as eu, tu évites de le saucer comme ça, bizarre. Ouais. C'était une prise de risque incroyable. Franchement bien vu. C'était drôle, c'est ça le pire. C'est soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire vraiment genre tu dis un truc qui va pas et genre vas-y c'est pas drôle, vas-y c'est chelou. Putain c'était lourd. J'aurais jamais attendu ça de chez. Comme dit l'Osa de Squad, la suite sera grandiose. Voilà. On attend Moby. C'est le dernier là. Oui. Ah vas-y, on va remuer un peu les gens là. On va bouger. Ah. 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 Un caca. Un caca. C'est Moby sur de la faux. C'est Moby sur de la faux. C'est Moby sur de la faux. C'est Moby. Porter un moment, faut être chevrant. Un combat comme la défaite la se prend. Bonjour messieurs, je vous présente Kerry James et Caris n'avaient pas mis la lumière sur ce grand. Leur niveau est un peu trop décevant. Mais faut que je leur rappelle, c'est quand même mes enfants. Je me suis lavé même en chuchotant. C'est trop facile pour moi, ça devient lassant. Bref, dans sa poussie, je dégaine le sweetone. J'apparais que quelques fois comme Dragon et Van ressemble à un Dragon Tor et Dragon Chess. Je suis au-dessus de ta meuf comme une puissance. J'ai percé son bouclier avec ma lance. T'écoutes la prod et tout à coup y'a ta tête qui danse. Ou all eyes on me, t'es mal au mi, sa tête de zombie. Je sais que je force mais il faut que je le dise. Toi j'suis tout petit, on dirait Mini Machi. Mon mari est fort mais elle est pas comme un poteau. Tout ça jusqu'à pas besoin de le couteau. Mon rêve c'est d'aller un jour à Tokyo. Je t'aimais de ouf, RB Tokyo. Merde, je vais spoiler mais je m'en bats les couilles. Je sais que même lui, y'a comme une boule. Il a une des fois tirée comme fraîche la boule. La go à Totoche, rock mon steak comme si c'était une pomme. Toute la nuit on reste collé comme des atomes. J'ai pris au McDo et même dans un mobilhome. J'ai oublié de me protéger avec la go de chaise. Elle me dit t'es fou. J'ai voulu me retirer. Elle me dit qu'est-ce que tu fous. Je suis un élève quand tu veux go de ouais fou. Chaise, il aime bien toutes les positions. Je rate sur l'approche, je représente ma nation. Attends, je prends ma respiration. Deviens de plus en plus une inspiration. La go à Evan a un trou profond. Quand je rentre dedans, c'est comme à la natation. Je la saute comme si je faisais de l'équitation. De vous terminer, c'est devenu ma passion. Hey, c'est trop facile pour Moby. Je te donne envie de caler un logo B. Le nid, il veut faire le réel Audi. Alors quand t'étais juste un énorme Audi. Je katatago, elle me bande les yeux comme si je suis Gojo. Elle veut sortir le bankai pour de vous pour vous comme Coco Jojo. Fuck la var, je suis nu vous saigner, bande de bâtards. Moi je suis Obi et vous êtes les cafards. Je trace comme dans Obi et les cafards. Tous les cas, tous les cas. C'est qui Mais c'est la manche des prises de risque. Putain, franchement, vous êtes tous chauds. Ouais. Hey, je suis trop content de ce que vous avez fait, les bâtards. Vous avez vraiment joué le jeu, je suis content de vous. Je suis content de vous. Mais là, les gars, encore une fois, on vous laisse délibérer. Et on saura dans les secondes qui suivent qui est le grand gagnant du Battle de Rap Freestyle 4. A tout de suite. A tout de suite. Je voulais dire, genre aujourd'hui vous êtes trop bien habillés, genre vous tous. Genre, il fait toujours ça, il fait toujours ça, sachez-le. Evan, en vrai, toi c'est un peu tard. Vas-y, un sacré battle, plusieurs freestyles qui ont fait la diff. Enfin, dire quand même que le dernier freestyle pour nous c'était le plus chaud. Voilà, vous avez tous été chauds. On doit donner le point à une personne qui a su faire la différence, qui nous a tous surpris. J'ai envie de dire, on a décidé de donner le point à Chess. Ouais. Oh putain, mais dis quoi? Dans mon dernier texte, je l'ai dit. Dans ce battle, je suis un peu comme le challenger.
comme Yaouid à l'époque de Rap Contenders. Ah, celle-là était lourde. Non, là, ça fout. Yaouid a été chamboulé par ça. Mais c'est pas moi qui ai dit en premier. Ah non, même nous. Eh les gars, prenez des risques dans la vie. Ouais, ça y est, frère. Même si tu vois, même si t'es là, tu peux revenir là du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Non, Chess, il a trop. J'ai pas lâché. Mais attends, si je suis en train de bien comprendre, ça veut dire qu'il n'y a pas de gagnant finalement. Mais on n'a pas fini. Sachant que vous étiez fatigué et pas forcément prêt pour faire des freestyles, et même moi je dois. Et après ce que Evan il a dit, il fallait quand même choisir un gagnant pour gagner. Toi, mais avant d'annoncer le gagnant, on a décidé on tient donner... quand même tous à vous féliciter. Bah Evan, il a su être touchant dans son texte, tout touche, toujours aussi drôle, il a su se démarquer et tout, encore une fois, Loni, c'est ce que tu disais toi-même, hein. Impeccable. Moi je vais dire après. Ah, ça il va pleurer, tu vois. Ah, voilà. Même Moby, très chaud. En fait, vous savez quoi, moi je vais vous dire, il a été chaud à la fin, en plus il nous a ambiancé. Limite, je donnerais moins le point à Loni, plus pour lui parce que t'as quand même clashé. Pour lui, ça m'a fait de la peine un petit peu, mais moi c'était dur. Hein. Donc c'était voilà. Non, moi j'étais chaud. Mais chacun vous méritait un point. Non, voilà, félicitations à vous. Émotion, genre des émotions. Chris Corleone. Futur rappeur ou rappeur, je sais pas, il est déjà un rappeur lui. Haïtien. Haïtien. Et lui, franchement, c'est prise de risque totale. Ouais. Mmh. Et assumé, il a été jusqu'au bout. Et ça voilà. Ah, merci. C'est pour ça que je veux faire le battle, c'est trop bien. Les Losa, vous voulez venir donner un peu votre avis? Franchement, pour moi, le niveau des Sbratek, il était vraiment très fort. J'aurais aimé qu'il y ait un overtime. Mais bon, apparemment, on peut pas. Mais voilà, franchement, bravo à tout ça, franchement. Merci beaucoup. J'ai à dire, on est d'accord, Moby a 0 points. Il voulait juste faire le bâtard. Jean-Moby, il a pas de points. Il voulait juste le faire. Chacun un point pour le dernier freestyle. Chacun vous avez su donner le meilleur de vous-même, chacun vous avez su montrer ce que vous avez au fond, malgré quelques soucis de respiration, mais puis ça, hein, c'est bien. Putain, la rime, bien vu. Bon, le gagnant de ce battle 4 est... César. Merci. Sur sa chaîne. On a su reconnaître la constance. Exactement. Et la puissance des textes de Loni aujourd'hui, donc on a choisi de lui donner ce qu'il mérite. C'est-à-dire c'est lourd. Ah, merci beaucoup. Même la complicité du texte, les textes étaient complexes, mais pas trop complexes. Donc, après Loni, la mytho, c'est pas un youtubeur, c'est un rappeur. Ça doit être au studio la nuit. J'ai voulu prouver, je vous dis la vérité, moi je me suis vraiment donné à fond. Du coup, quand on s'était donné rendez-vous pour le Battle 4, je me suis vraiment dit, genre, j'ai quelque chose à prouver. Parce que vas-y, ça fout un coup à l'ego quand tu dis que vas-y, t'es venu, tu t'es pas bien préparé. Et qu'il y en a qui ont la dalle, ils viennent, ils te mangent totalement. Je me suis dit, là, je vais vraiment pas me laisser faire. Quitte à ce que malgré tout, on me mange quand même, au moins j'aurais été fier de ce que j'aurais fait. Et merci à tous d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, parce que c'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Merci au jury, vous êtes déplacés, d'avoir joué le jeu aussi. Merci à tout le monde, à ceux qui sont derrière, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Et voilà. Yes, we can. Ouais. Félicitations, c'est mérité. Ouais, c'est moi, mérité, je trouve que voilà, en vérité, les gens qui connaissent Loni depuis un moment, ils savent que la musique, voilà, tac, tac, il est dedans et tout. Et là, honnêtement, moi, comme je lui avais dit en off, je suis pas trop réceptif sur les freestyles généralement. Mais c'est vrai que son premier, comme il arrive sur le deuxième et tout, je trouvais vraiment qu'il s'est creusé la tête et mais, victoire amplement méritée. Arrête, vas-y, ça me fout la haine un peu parce que. Allez, je connais maintenant, c'est wesh. Merci à tous. Merci. Sur ces mots, les gars, c'est vrai que j'ai pas été très constant ces dernières semaines. Voilà, j'avais tellement le battle en tête et j'avais envie aussi de me reposer de mon côté. Mais ne vous inquiétez pas, on va reprendre les deux vidéos par semaine. Le monteur est derrière, il commence déjà à transpirer. Donc, big up Sam. Big up bravo Sam. Partage de malade. Merci à Mehdi, le caméraman. Il est venu avec son collègue. Full up Mehdi, Merci à Al Prince qui a fait les prods des mains. Il y a l'équipe de l'Osado Squad, les deux managers qui sont là. Merci. Il y a l'équipe aussi de Delio qui est venu.
Allez tous me follow sur TikTok. La raison pour laquelle je fais en sorte toujours de mettre des filles dans le jury, c'est vraiment pour leur donner une légitimité. En gros, le rap, c'est pas pour les mecs, c'est aussi pour les filles, qu'elles se sentent vraiment, comment dire, comment je pourrais dire, qu'elles se sentent légitimes. Voilà, c'est qu'elles se sentent représentées aussi. Dernier message, les gars, sachez une chose, c'est que nous, entre nous, on se connaît très bien. On est des super potes. Que les vannes que vous avez entendues, c'est des choses qu'on prend vraiment à la légère, c'est entre nous et tout. Mais s'il vous plaît, la chose qui nous a un peu dérangé au Battle Freestyle 3, c'est qu'il y en a qui se sont permis de venir en DM, nous envoyer des petits messages où ils commencent à nous tailler. Des gens dans la rue, des abonnés qui viennent nous voir et qui nous taillent. Les gars, on est des êtres humains avant tout. Entre nous, en fait, vous nous connaissez, mais nous, il y a la barrière de l'écran. Nous, on voit que des chiffres, entre guillemets. Il y a un peu ce truc. Quand même, garder un minimum de respect. Donc, c'est juste le message que je voulais faire passer. Mais vous savez qu'on vous kiffe. Il n'y a pas de souci. Et merci de nous soutenir autant. Et j'espère que si on fait un jour un battle de Freestyle 5, je sais pas, moi, que ça se soit... dégage. Quand même, le petit refrain. Lago de chaise. Chaise. Bon, moi, c'est chaise. Celui-là. Sur TikTok, les gars. Ouais, TikTok, ouais, tout. Eh, faut que ça pète. Les gars, ça va péter. Faites péter les fesses de ma meuf, les gars. Faites tout péter. Allez, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, MySpace, Dailymotion, Démolition. Les copains d'avant. Merci à tous les gars, on se retrouve à la prochaine.